Salut, je m'appelle Lucas et avec Laurence, ma femme, on a commencé le ministère de Jeunesse en Mission sur Lyon. Et notre passion, c'est vraiment de transmettre le message de l'Évangile et spécialement en utilisant les arts. Donc ce qu'on a à cœur spécialement, c'est former et mobiliser des artistes pour évangéliser et avoir un impact dans la société de façon innovante. On organise des écoles d'art de rue tous les ans. On utilise spécialement le mouvement hip-hop, donc tout ce qui est rap, danse hip-hop, graffiti. On aime aussi tout ce qui est street art, donc installations, les stickers, flyers. Et on a à cœur de partager l'évangile de façon simple, en étant dans la rue, en allant à la rencontre des gens. Donc Lyon, c'est une des plus grandes villes de France. C'est une ville qui est super belle, très artistique. Il y a toujours des événements toute l'année. Il y a des touristes qui viennent de toutes les nations et tout au long de l'année. Pas juste l'été ou juste à une certaine saison, mais tout au long de l'année. Parce qu'il y a des festivals hip-hop, il y a la Biennale de la danse, il y a la Biennale de l'art contemporain. C'est une des capitales vraiment au niveau de l'art. Il faut savoir aussi que par rapport à Lyon, c'est un des berceaux du christianisme. Les premiers siècles après Jésus-Christ, des martyrs à Lyon, et qui ont été des témoins qui ont su aller jusqu'au bout de leur foi sans avoir honte de l'évangile. Et Dieu a un plan pour cette ville et on veut faire partie de ce plan. Ce qu'on a pu voir les dernières années, c'est vraiment que l'art, c'est une clé pour partager l'évangile en France et en Europe. C'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté d'artistes qui vont chercher vraiment l'excellence et la qualité pour parler de Dieu. Créer des nouveaux sons, créer des expositions, inviter les gens à venir partager et à réfléchir autour du thème de la foi, pouvoir danser ensemble, innover et vraiment avoir cet impact et cette influence dans la sphère artistique. Le mouvement hip-hop et spécialement la musique rap, on dirait que ça a été fait pour prêcher l'évangile. Tout est dans les paroles. Et c'est pour ça que quand on fait des spectacles de rue, les gens ils sont vraiment interpellés, ils se disent « Attends, mais vous parlez de Dieu et il y a de la vie, il y a de la joie. » Ils comprennent pas comment ça peut aller ensemble et c'est là qu'on peut leur expliquer qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu et pas une religion. Et du coup, ça ouvre des portes nouvelles. Vous serez mes témoins à Lyon, en France, en francophonie et jusqu'aux extrémités de la Terre. C'est notre traduction à nous de Acte 1-8 et donc notre but, c'est vraiment d'utiliser les arts pour l'évangélisation. On aime bien, pendant nos écoles de disciples ou pendant les écoles d'art, vraiment former les jeunes avec les talents artistiques qu'ils ont pour vraiment aller dans la rue et faire la fête avec les gens. Et donc on va dans les prisons, on va dans les collèges, dans la rue, partout où on peut s'incruster pour leur raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Et c'est passionnant. Donc venez nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde.